Ici, ils ont... Don't shoot now, there's too many behind us. Yeah. Yeah. Okay. I love it. Yeah. You're not gonna believe how big this spoon mug is. That's what we're gonna leave up there. 200 meters. Do so. Apparemment, un joli springbok, bien vieux. C'est un springbok qui avait un problème à la patte. Il est maigre, il boite. Ah ouais. Ouais, ouais. Il est trop gros. Then this thing is enormous. Hey. Are you good? Huh? Beautiful. Look at that. Stick your nose in it. Ouais. C'est les poux qu'il y a. C'est quand il a peur. Alors ça c'est quand il a peur. Et quand il prend une balle, ça s'ouvre comme ça. Comme une fleur. Ça c'est quand on vient de tirer un springbok, ça s'ouvre comme une fleur, comme ça. C'est parce qu'il a eu, très peur. C'est un peu un signal d'alerte chez eux. Voilà. Et là c'est en train de se fermer. C'est vraiment, on dirait une fleur. On dirait une fleur, c'est assez particulier à cet animal. Voilà, ça se referme, voilà. Mais c'est un très bel animal. Et voilà, on est au milieu du séjour. Ça faisait depuis quasiment le début qu'on ne voyait pas de beaux mâles de springbok. Pourtant on en a vu, on en a beaucoup jumelé. Et là ce matin on est tombé sur ce beau mâle que Nick a vu. Et il m'a dit que c'était un monstre apparemment. Donc je suis très content parce que c'est un très beau springbok pour le coin. On a fait une belle approche. En plus on était entouré par des antilopes sable, ce qui est vachement sympa. Et après une belle approche, une première fois il nous a surpris. Après je pouvais pas le tirer parce qu'il était un peu devant des femelles. Et à un moment il est reparti, Nick l'a sifflé et là il s'est arrêté bien en travers et j'ai mis une belle balle dans l'épaule, donc un tir propre, super, qu'on verra d'ailleurs en image que Richard est en train de faire. Donc voilà, super content. Merci beaucoup à tout le monde et à Omurewe Safari Hunting. Thank you. Perfect.